Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. C'est votre serviteur, Stéphane Ahuy. Je suis ni suiveur, je suis ni suceur. Je viendrai encore et je viens encore vous dire ce que je pense. Voilà, faut dire que ça fait quand même un bail. Hein. Voilà, disons une semaine, même plus d'une semaine. Voilà, j'aimerais bien m'excuser. Il y avait quelques petites choses à régler là. Voilà, mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je suis là, prêt pour vous maintenant. Voilà. Bon, excusez-moi, hier, j'étais en train de regarder un peu les snaps de nos stars. Et puis, je suis tombé comme ça sur les snaps de Mola. De Mola, qui est en train de, on va dire, s'amuser, fêter avec son staff. Presque au complet. Voilà, parce qu'il y avait Habib Marwan dans la vidéo. Il y avait ses assistants dedans. Et je crois un des collaborateurs de DJ Mix et tout. Et j'ai vu un truc qui m'a vraiment pas plu. Mais je viens pas le juger, je viens juste le dénoncer. Voilà, parce que quoi mine de rien, je me dis toujours, et puis je le dis toujours dans toutes mes vidéos, Mola, tu es le grand frère, tu es le plus grand, tu es le plus âgé. Normalement, tu devais avoir des actes plus tolérants que ce que nous avons vu là. Donc, fais une vidéo où tu t'adresses de manière, on va dire, indirecte à DJ Arafat parce que tu sais très bien que ce que ton petit est en train de dire actuellement, c'est pas faux. Voilà, parce que nous, on va au-delà de ce que vous voulez dire, en fait. Voilà. Et ce qui m'a le plus choqué, ce sont tes assistantes dans la vidéo qui disent « Parlez seulement, parlez seulement, on vous encule, on vous encule. » Et après, même, tu écris même un snap. Ouais, c'est-à-dire, tu écris sur un de tes snaps que, genre, comme quoi, on peut aimer la musique, mais pas sûr d'aimer la personne. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Parce que moi, je regarde tous tes snaps. Tu as une star que j'apprécie bien, mais souvent qui déconne trop. Et ça, c'est ça. Je pense que, à réagir comme ça, les clashs ne vont jamais cesser. Et tes petits frères vont toujours te manquer de respect. Je veux dire, en fait, quelqu'un qui n'a pas la peur de dire ce qu'il pense, quelqu'un qui n'a pas peur de s'adresser à celui qu'il veut. Donc, faut revoir cela, faut revoir cela. Et il y a un de tes snaps que même que tu as supprimé. Il y a un même de tes snaps que tu as supprimé. Parce que là, c'était vraiment clair dans ton snap. Bon. Donc, j'aimerais dire à mes internautes ici que je sais de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai la vidéo à 19h. Voilà, la compile de ces snaps-là. Je vous la ferai passer aujourd'hui à 19h. Donc, je venais seulement dans cette vidéo-là pour dire que comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, on en a marre de ces clashs là, on en a marre, surtout quand une personne de ton âge et de ton rang, Mola, ça tarde encore dans ces clashs. Bon, si ton petit frère te titille, ça te fait quoi? Si tu ne réponds pas, ça fait quoi? Voilà, ça ne fait pas de toi une tapette, ça ne fait pas de toi un mongol ou on va dire un peu heureux, non. Tu le fais juste parce que tu es le plus âgé. Et c'est ce qu'on attend de toi. Et ce que tu ne sais pas, chaque fois que tu vas te comporter comme ça, les fans de DJ Arafat vont toujours te fustiger. C'est vrai que tu dis ça glisse sur ton corps, mais mine de rien, tu es un homme, tu as des sentiments et tu ressens souvent ces frustrations aussi. Donc, franchement, il faut éviter ce genre d'actes-là dans tes vidéos. Voilà, tu n'es pas comme ça. On te connaît frimeur. Tu as fini ton événement. Pas besoin maintenant de venir nous narrer en fait, parce que quand tu mêles ton staff dans ce truc là, ça peut créer beaucoup de choses. Voilà, parce que tu connais bien comment ton petit il est, comment il réagit, donc faut faire gaffe. Voilà, c'est vrai que tu t'es dit appeler le boss, tu couper les calés, mais c'est pas tout qu'il faut se permettre. Voilà, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais seul et tu le dis clairement, mais en parabole, ça fait plus mal. Voilà, ça fait vraiment plus mal. Et puis évite d'immiscer ton staff dedans. Voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère que l'on vous aura plu. Et puis restez branchés pour ce soir 19h. Je vais vous passer les snaps de notre Mola. Voilà. Vous allez voir que je suis en train de vous dire la vérité. Je ne raconte pas autre chose. Donc, ciao, ciao les amis. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.